Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la VSM, Value Stream Mapping. VSM est un outil qui fait partie de Lean Management et qu'on utilise aussi dans la deuxième étape de démaisser, mesurer, pour faire la cartographie globale du process. Dans cette vidéo, on verra les principes et l'utilité de la VSM dans notre process. Et finalement, on va créer une VSM en suivant les 7 étapes qu'on va voir par la suite en détail. À la fin de cette vidéo, on sera capable de créer notre propre VSM sur n'importe quel process. Let's start. VSM est un outil de représentation visuelle permettant d'identifier toutes les activités d'une chaîne de valeur et de détecter tous les gaspillages. Cela permet d'optimiser des flux de matière et des informations associées à un process. L'intérêt de VSM est l'amélioration de la chaîne de valeur de façon globale et cohérente et non pas locale et déconnectée, afin de réduire le nombre d'interfaces dans le flux et éliminer ou réduire les tâches à non-valeur ajoutée. Cette démarche s'appuie sur une cartographie visuelle qui sert à visualiser, quantifier et comprendre le flux de matière et d'informations d'un process, d'un produit ou d'une famille de produits de manière globale. Ensuite, elle sert aussi de séparer les tâches à valeur ajoutée versus les tâches à non valeur ajoutée et par conséquent, identifier les sources de gaspillage, de non-performance du process actuel, c'est des goulots d'étranglement. Ensuite, on doit obtenir une description globale du process afin que l'amélioration et l'optimisation portent sur sa globalité et non sur des tâches locales et déconnectées. Après, on doit apporter des suggestions en vue d'amélioration de la productivité, la qualité, la sécurité au travail et l'environnement. Et finalement, on doit définir le flux cible et les actions associées pour l'atteindre. Maintenant, on va commencer la création de notre cartographie des flux de valeur en respectant les 7 étapes suivantes. Premièrement, on va déterminer les exigences du client. Sur cette première étape, on doit dessiner le client, l'entreprise et le fournisseur. Ensuite, on doit définir les flux d'informations côté amont et côté aval. Et par la suite, on doit rajouter des cadres des données, par exemple le nombre de commandes, la taille de la commande, le planning de livraison, le lead time client et fournisseur, l'ajustement de commandes, etc. Deuxièmement, on va dessiner les étapes du process. On doit définir tous les process et les steps. Un process est une activité où les matières peuvent rester immobilisées en amont ou en aval. Vous devez mettre dans chaque cadre un process unique. Essayez de les bien décortiquer pour qu'on puisse pousser l'analyse sur la cause réelle du problème qui nous impacte. Si on regroupe les process dans un seul cadre, on ne pourra pas trouver la cause en analysant les résultats. Troisièmement, on va rassembler et mesurer les données de process. On doit mesurer et collecter pour chaque opération le temps disponible, le temps de cycle, le temps de changement, le nombre des opérateurs, le taux de rebut ou de scrap et le taux d'arrêt. On doit le faire pour chaque opération. C'est une façon de chronométrage. Quatrièmement,
on va rassembler les données de stock. Sur cette étape, on doit mesurer les stocks entre les process et on doit mettre le temps que la matière passe entre les process avant d'être utilisée. Cinquièmement, on doit déterminer les flux de matière externe. On doit dessiner les livraisons fournisseurs et les livraisons clients. On doit rajouter les cadres de données pour la fréquence, le volume de livraison et le lead time de chaque livraison. Sixièmement, on doit déterminer les flux d'informations et de matières. Dans cette étape, on doit définir les flux d'informations et les flux de matières tirés ou poussés. Et finalement, on va calculer le lead time. On va tracer le truc suivant en mettant 3 niveaux pour chaque process. Ensuite, on va mettre sur le premier niveau le temps de cycle de cette opération qu'on a mesuré. Sur le deuxième niveau, on va mettre le temps de nos valeurs ajoutées qu'on a mesurées, à savoir le scrap, le temps d'arrêt, les pauses, etc. Toute la durée qu'on a passée sur cette opération hors temps de cycle réel. Et sur le troisième niveau, on va mettre le temps entre le process dû au stock de matière semi-finie. Par exemple, qu'on stocke avant de l'utiliser sur l'opération suivante. Par exemple, sur l'opération 20, on a un temps de cycle de 10 secondes, un arrêt considéré par exemple de 2 secondes et un temps de stockage entre les deux opérations de 70 secondes. Ensuite, après qu'on fait ça sur chaque opération, on va calculer la somme des tâches à valeur ajoutée, les sommes des tâches à non-valeur ajoutée et la somme des tâches entre process considérées aussi non-valeur ajoutée. Et finalement, on doit calculer le lead time qui est la somme entre ces trois, valeur ajoutée plus non-valeur ajoutée plus entre process. Ensuite, on doit éliminer et réduire les tâches à non-valeur ajoutée pour augmenter l'efficience et que le temps de valeur ajoutée converge vers le lead time. Pour le faire, on doit analyser chaque opération pour éliminer les gaspillages. On utilise la VSM sur l'étape de mesurer de démaisser. Le lien de la V2E de mesurer est affiché maintenant en haut de la page. Et je vais mettre aussi le lien en dessous sur la description. Et sur l'étape suivante de démaisser qui est analysée, on doit analyser notre VSM en essayant de réduire et éliminer les gaspillages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous sur les commentaires. À bientôt!